Chers frères et sœurs, en ce dimanche, l'Église célèbre les mystères de la Sainte Trinité. Nous proclamons notre foi en un Dieu unique en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces mystères et le cœur même de notre foi chrétienne. C'est le fondement de tout ce que nous croyons et de tout ce que nous sommes en tant que disciples du Christ. C'est un mystère qui dépasse notre compréhension humaine, mais qui est néanmoins la pierre angulaire de tout ce que nous croyons en tant que chrétiens. Les lectures d'aujourd'hui nous permettent de plonger profondément dans ces mystères. Dans la première lecture tirée des livres de l'Exode, nous voyons Dieu se révéler à Moïse comme un Dieu miséricordieux et compatissant. Cette révélation préfigure les dons ultimes de la miséricorde de Dieu, Jésus-Christ, son Fils unique, par lequel le monde est sauvé. Et bien sûr, le travail du Saint-Esprit qui nous est donné pour nous guider et nous sanctifier est une manifestation de cette même compassion et miséricorde. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous parle de la grâce de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu et de la communion du Saint-Esprit. Ici, nous voyons clairement les trois personnes de la Trinité, chacune ayant son rôle unique, mais toutes travaillant ensemble pour notre salut. Jésus le Fils est celui par lequel nous recevons la grâce et la rédemption. L'Esprit Saint est celui qui nous guide, qui nous unit dans une communion d'amour et qui nous fait participer à la vie divine de la Trinité. Dans l'évangile de Jean, nous attendons les paroles les plus familières et pourtant les plus puissantes de la Bible. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. C'est ici que nous voyons le plus clairement le mystère de la Sainte Trinité. Dieu le Père donne son Fils Jésus par amour pour nous. Et par la foi en Jésus, nous recevons le Saint-Esprit qui nous donne la vie éternelle. La préface de la messe votive de la Sainte Trinité que nous célébrons aujourd'hui exprime parfaitement ces mystères. Nous adorons un seul Dieu en trois personnes. Nous célébrons l'unité de la nature divine. Et nous reconnaissons l'égalité dans la majesté divine. C'est un rappel puissant que, bien que la Trinité dépasse notre compréhension, nous sommes appelés à entrer dans ces mystères par la foi et l'adoration. Mais qu'est-ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui, en tant que croyants et en tant qu'Église? La Sainte Trinité n'est pas seulement un concept théologique abstrait ou une doctrine complexe que nous devons accepter. C'est une réalité vivante qui doit imprégner toute notre vie chrétienne. La Sainte Trinité est avant tout une communion d'amour. Le Père aime les fils aiment le Père et l'Esprit Saint est l'amour qui les unit. C'est cette communion d'amour que Dieu veut partager avec nous, chers frères et sœurs. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à entrer dans cette communion, à vivre dans l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De plus, chaque personne de la Trinité a un rôle particulier dans notre vie spirituelle. Le Père est la source de tout amour et de toute vie. Il est celui qui nous a créés par amour. Et pour l'amour, le Fils Jésus est notre Sauveur. Il est celui qui nous révèle l'amour du Père et qui nous fait participer à cet amour par sa mort et sa résurrection. L'Esprit Saint est le don de l'amour du Père et du Fils à nous. Il est celui qui habite à nous, qui nous transforme intérieurement et qui nous rend capables d'aimer comme Dieu aime. Chers frères et sœurs, en ces jours où nous célébrons les mystères de la Sainte Trinité, soyons reconnaissants pour les dons incroyables de l'amour de Dieu qui nous a été révélé dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Puisse notre foi en ces mystères nous conduire à une communion plus profonde avec Dieu et les uns avec les autres. Puisse notre amour
pour Dieu se refléter dans notre amour pour notre prochain. Et puisse la très sainte Vierge Marie intercéder pour nous, afin que notre vie soit une louange constante à la Trinité Sainte, le Dieu d'amour qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.